Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire quoi? Aujourd'hui, nous allons faire donc un socle, une chaise qui va me permettre de m'asseoir dessus quand je serai en train de faire de la soudure ou tout autre bricolage, donc sur ma table. Donc pour cela, aujourd'hui, j'ai récupéré un vieux tabouret tout pourri, voilà, qui ressemblait un petit peu à ça là. Et donc on va en faire donc une chaise d'atelier. Donc le vieux socle qui est là, j'ai récupéré donc un morceau de métal qui va me permettre de mettre dessus, ainsi que le siège en lui-même qui ressemble à ceci. Et vous pouvez le reconnaître, c'est un siège de tracteur. Donc celui-ci, on va voir si on peut déjà le détordre parce que franchement, il est pas mal amoché, le détordre, lui mettre un coup de sablage. Ici, pareil, de même, sur l'ancien chrome, on va essayer de lui mettre un petit coup de sablage. Si je démonte le vérin. Et tout ça, on est parti ensemble pour faire ce siège d'atelier. Donc, on va commencer par déposseler un petit peu le siège. Qui est quand même un petit peu destroy, mais bon, on va essayer ça et on fait de suite. Alors attention, il y a du bruit. Donc le siège est débosselé, quand même bien dégrossi. Je vous rappelle donc que c'est un siège de récupération, hein, trouvé directement à la benne. Donc forcément, il ne faut peut-être pas s'attendre à du neuf, hein, mais il est quand même en très bon état. Hein. C'est quand même de l'acier assez robuste qui faisait dans le temps, pas trop comme maintenant. Mais voilà, donc il a une belle gueule. Après, vous voyez, il faut le tabasser un petit peu, mais dans l'ensemble, il est bien revenu. Donc, deuxième phase pour le siège, c'est la sableuse. Donc voilà, le siège, je l'ai sablé. Puis ça, hein, quand même, parce que bon, c'est quand même pas mal rouillé. Et deuxièmement, j'ai un petit peu d'eau dans la sableuse, donc forcément le sable a du mal un peu à rentrer. Mais sinon, bon, de toute façon pour ce qu'on veut en faire, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Donc là maintenant, l'autre phase, on va l'apprêter. On va l'apprêter comme ça, ça va protéger. Donc voilà, la première partie du siège, donc l'après est posé. On va attendre qu'il sèche un peu, on va le retourner et on va apprêter la deuxième pour le dessous. Voilà, on se retrouve tout de suite après pour la fin de l'après du siège. Donc voilà, mon après est sec, la première couche d'après est sec. Donc on va passer la phase de dessous. Donc pareil, on va apprêter le dessous
Et après, ben, on passera une peinture, je sais pas, on verra la teinte que j'ai envie. Voilà, donc le dessous de la chaise est terminé, est apprêté, donc on va laisser ça de côté et on va s'attaquer donc au pied. Vous voyez, le pied est quand même assez rouillé, vu que j'arrive pas à enlever le vérin, eh ben, il va falloir poncer. Donc ça c'est pareil, du boulot. Le boulot, alors ça se fait avec de la paille maille zéro. J'ai acheté ça sur internet, hein, Amazon. Par contre, c'est quand même assez cher. Je crois que j'ai dû payer la bobine, la petite bobine, dans les 10 euros. 10 euros, je trouve que ça fait un peu cher, mais bon. Voilà, donc maintenant, bah, le dernier boulot, c'est poncer. Et poncer à la main. J'ai oublié une chose. Faut pas oublier surtout de l'huile de coude. Donc voilà, le pied, j'ai juste poncé, hein, comme ça, puis ça, pour enlever le maximum de rouille. Mais bon, comme il doit être peint, ça sert franchement à rien qu'il soit super brillant. Voilà, pour rester ici, la poussière va s'installer, on verra pas la différence. Voilà, là, on va finir un petit peu là, de nettoyer un peu la tige du vérin. Juste un minimum, hein, pareil, que ce soit un tout petit peu plus propre, mais ça change rien. On ne demande pas la qualité, hein. C'est voilà, c'est un tabouret juste pour moi. J'ai pas besoin que ce soit super propre. Voilà, donc là l'assise, dans le pied, il est terminé et il est prêt à peindre. Nous avons donc l'assise en elle-même qui est déjà apprêtée et nous aurons besoin, dès que ce sera sec, donc de cette pièce pour venir la fixer directement dessus. Hein, donc vous voyez mieux, cette pièce là sera fixée ici et celle-ci sera soudée directement ici, puis sera mise dans le pied. Du moins dans le pied, dans le support de pied que j'ai déjà nettoyé et peint. Voilà, donc ça vient comme ceci. Mais vous voyez, ça rentre. Mais ça vient ici. Comme cela, ici. Donc ici, ça sera maintenu par deux clavettes. Et ce tôle là sera soudé ici. Et après viendra notre assise directement là. Et là, ça me fera un tabouret pour mon atelier. Voilà. Donc, la première phase est faite. Donc, maintenant, nous allons passer à la phase du support. Du support avec ça. Donc, le premier coup qu'on va faire, c'est que dès que ça sera sec, nous allons percer donc la selle, du moins le siège de tracteur. Nous allons le percer, puis nous allons reporter les trous ici. Alors deux ou trois trous, hein, on verra. Ou peut-être, oui, non, deux ou trois trous. Et une fois que ça sera fait, on soudera le cercle directement dessus. Là, et après, on procédera donc au montage.
Voilà. Et à la fin, la peinture, bien sûr. On se retrouve tout de suite après. Donc pour moi, il est un peu tard, ça se voit, les lumières sont allumées. Mais pour vous, c'est juste dans la continuité. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc le carré, je l'ai marqué donc avec les quatre trous de mon siège. Là, ça va être les futures découpes. Et là, pour le moment, on va commencer. Donc, on va percer afin de faire les quatre trous pour le support du siège. Voilà, donc on peut y bavurer maintenant. Voilà, donc notre plaque a les quatre trous de fixation. Pardon, c'est ceci. Demain, vu qu'il fait il est un peu tard, demain nous procéderons donc à la découpe du carré et après à la fixation de celui-ci sur le siège. Et ensuite, nous aurons donc la tête de l'écrou, là, de la vis BTR, juste dessous, mais comme ceci. Voilà, je garde ce trou-là pour pouvoir rentrer là-dedans. Voilà, donc on se retrouve demain pour moi. Et pour vous, c'est tout de suite. C'est parti. Me revoici avec la suite de la fabrication du tabouret d'atelier. Donc, je vais m'atteler maintenant à couper ma plaque d'acier que j'ai percée afin de soutenir l'assise du tracteur qui est ici. Et après avoir coupé, donc, on viendra souder la vis BTR, la tête de vis BTR, dessus, afin de pouvoir la poser sur le piston du tabouret. Et ça fera un ensemble qui tiendra. Mais de suite, donc, on découpe ma tôle. Voilà, donc la tôle a été coupée, le poids au carré. Ça reste toujours du provisoire, un tabouret d'atelier, donc il n'y a pas besoin que ce soit super nickel. Donc la tôle est coupée. Maintenant, on va y souder donc la tête de vis BTR dessus. Donc pas dans ce sens, hein, dans ce sens-là. Donc à cet endroit-là, et nous allons passer à la phase soudure. Voilà, c'est soudé. On va attendre que ça refroidisse un peu et après on va continuer donc la fabrication du tabouret d'atelier. Voilà, la pièce est soudée, donc on va pouvoir la peindre, du moins la peindre, la prêter, que l'on va faire de suite en espérant que la pièce est assez refroidie, mais c'est pas le cas, elle est encore bouillante. On va attendre vraiment qu'elle refroidisse quand même. Peinture de l'assise. Écoutez, je vais prendre un peu de reste de chez moi. Je vais faire en rouge et on verra le rendu quand ça sera tout monté.
Voilà. On fera la deuxième passe de l'autre côté. Et par contre, on mettra du vernis dessus. Voilà, on se retrouve donc maintenant avec toutes les pièces peintes. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le montage et essayer tout ça en espérant que la peinture soit assez sèche. Car je suis pas d'humeur à attendre, il faut que ça soit de suite, de suite. Allez, on passe tout de suite à la phase montage. Donc je prends mon pied là, hop, celui-ci ici. Je vais essayer de le remettre dans les trous. Voilà. Et après, on va essayer d'y insérer donc les clavettes. Ça. Voilà, la deuxième entrée. Donc une fois que c'est fait ça, nous allons pouvoir le glisser dans le tabouret. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir y fixer notre assise. Voilà. Et voilà, notre siège est monté. Il a une belle gueule quand même. Voilà, ça tourne. Par contre, voyons ce que ça donne. Ouh, que c'est beau. Nickel. Parfait. Moi je dis parfait. Voilà. Donc le siège terminé. Les clavettes, nature apparente, parce que forcément, au niveau où je voudrais le démonter, je ne pourrais pas l'enlever. Donc je les laisse apparentes. Et voilà, le siège fini. Allez, merci. N'oubliez surtout pas de vous abonner en bas à gauche, à droite pour vous. Et puis de laisser un commentaire aussi en dessous si vous avez des petites questions ou si vous avez des petites idées. Ou si vous estimez que j'ai fait un boulot de merde. Voilà, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Et puis sur ce, dans une prochaine vidéo, je ferai un objet pour un collègue qui me l'a demandé. Allez, salut, à ciao, bye.